Shalom, vracha, b'shem Hashem, nase, ve, nasliach. Nous sommes ce soir le lundi 15 du mois de juin et déjà le kaf d'alet du mois de Sivan, puisqu'on est passé à la nuit. Shiur acheté par Henri Meslati, Hashem vrachotohu, v'chto, b'chol asherlo, pour l'élévation de son frère, le Ilui Nishmat, Meir Chaim ben Peretz Meslati, zichlon le bracha, shayom, yom, kudato, si je ne m'abuse, refouach lema. Pour tous les malades d'Israël, Bliotse Minaklal, ou Be'ezrat Hashem, Leilou Nishmat, Kol Mete Israël, une grande atzlacha pour toi, Henri Meslati, Ayakar, ou Bechol Asherlach, puisque c'est le Kaf Dalet ce soir, du mois Vayere, Vayeboker, Yom Echad. On étudiera ce soir deux noms ensemble, des noms communs, des noms connus, des noms très puissants, des noms, à forte personnalité, puisqu'on va parler de Shimon et de Yaël. Shimon a une personnalité très spéciale, Yaël aussi. Alors la différence entre l'un et l'autre, c'est que on trouve beaucoup de Shimon dans la Torah écrite et la Torah orale, d'accord, comme Rabbi Shimon HaTzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Ben Netanel, et la liste est longue. Et puis nous avons Yaël, Yehudit Yaël, une des femmes d'Israël qui marquera l'histoire. Yaël est une conquérante, une femme très forte dans le judaïsme. Alors, on commence par Shimon et on finira par Be'ezrat Hashem, Yaël. Alors, une fois de plus, bien entendu, ce genre de shiurim, tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui a vu le cours sur Avraham et qui m'a dit, j'avais les larmes aux yeux, j'avais l'impression que vous étiez rentré dans ma vie privée. Et beaucoup de gens, Bemach, se reconnaissent dans les noms. Il est fort probable qu'il y en a d'autres qui ne se reconnaissent pas. On fait des généralités, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, même si les choses se répètent pour certains noms. C'est sûr. Ceci étant, toute personne qui aurait une pathologie dans sa façon d'être ne risquera pas de se retrouver ou un choc émotionnel, comme j'ai l'habitude de le dire dans tous les shiurim, dans les noms que l'on dit, parce qu'en réalité il y a une falsification de leur identité par rapport à leur pathologie. Voilà. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on s'appelle comme cela qu'on est ce que l'on est, mais parce que l'on est ce que l'on est, que Dieu nous a envoyé ce nom du ciel pour que nous le portions sur terre, car le nom représente l'identité de la personne. Ok, Shimon. Alors, on va voir un petit peu avec ce nom-là, Shimon. Ça commence par la lettre Shin. Vous rappelez que nous avons ici un feuillet qui nous met un petit peu à la page sur les noms. Alors, Shin, ça appartient, Shin, rigueur absolue. Ok. Ensuite, même, si je regarde dans ma feuille, même, rigueur et bonté, ensemble. Si je regarde la lettre Aïn, je retourne dans ma tavla et je découvre que la Aïn, c'est Midat Adin et Midat Arachamim. Une fois de plus, un mélange de bonté et de rigueur. Si je continue et que je regarde la lettre Vav, ouf, le Vav, Rachamim Gumurim. Il y a un chesed absolu. Donc j'ai au moins une lettre de chesed absolu. Et le Noun de Shimon, je regarde ma tabla et je retombe dans le Din et mélanger la rigueur à la bonté. Donc qu'est-ce que ça me fait comme résultat? Ça me fait une personne avec une rigueur absolue en lui à cause de sa lettre Shin ou par sa lettre Shin. Et ça me fait une personne qui est mélangée entre la bonté, la rigueur, mais avec un cœur exceptionnel puisqu'il a la bonté absolue en lui grâce à la lettre Vav. Voilà ce qu'on a un petit peu au niveau du personnage. Ce qui fait que Alpi Kabbalah, le nom Shimon appartient à la sphéra de Gevura, c'est-à-dire qu'il est rigueur. Et donc s'il est rigueur, l'okedai, c'est pas très intelligent de se confronter avec une personne qui s'appelle Shimon. Donc Simon en français, si vous préférez, mais la traduction en hébreu, c'est Shimon, qui vient de deux significations. Comme le dit Léa, qui engendrera son deuxième fils du nom de Shimon, celui qui sait écouter. Donc en général, vous savez que la qualité des gens qui savent écouter les autres leur permet d'avoir une carte extraordinaire de visite, d'être des gens sociaux. En général, les Shimon, qui sont normaux, sans pathologie, sont des gens très sociaux, très agréables. On les aime, ils ont une personnalité attirante, mais ils viennent de la rigueur, donc on peut trouver chez eux des comportements de colère très spéciaux, très à surveiller, on va dire ça comme ça. Le premier Shimon qu'on rencontre dans le judaïsme, c'est Shimon, deuxième fils des douze tribus, deuxième fils de Léa. Et justement, son personnage en dit beaucoup.
c'est que les Shimon sont des gens intelligents, sont des gens avertis et sont des gens qui peuvent devenir agressifs. Dans le sens où, on le voit avec Yosef, c'est le premier, dit le Midrash, à lancer l'idée de tuer Yosef et même de lancer les chiens contre Yosef, des chiens méchants, des chiens de garde. Et il propose de mettre fin à la vie de son frère Yosef parce qu'ils font un jugement sur son comportement et le condamnent. Mais attention, ils le condamnent, mais Betzedek, on voit que la Shekhina est avec Shimon. On voit Yosef de l'autre côté, quand il reçoit les 10 frères en Égypte, qui tient tout de suite Shimon à le séparer de Lévi, parce que comme vous le savez, Shimon a été celui qui a tué avec Lévi la ville de Shrem. Ils ont tué plus de 24 000 soldats à eux deux seulement. Donc on peut imaginer combien Shimon est quelqu'un qui a une forte personnalité, très agréable. Des fois, il peut même exagérer dans sa façon de rigoler, d'être social. Mais en lui se cache une Midat Hadin qui est très, très difficile. Alors, elle est très agréable. Quand il s'appelle Shimon, ça peut être de très bons gabaïm, de très bons dirigeants de communauté, par exemple, ou de très bons chefs d'entreprise. Ils savent écouter, ils savent réfléchir, ils sont très intelligents, ils ont les yeux en face des trous. Mais là où ça devient donc péjoratif, c'est quand les Shimon ne sont pas dans la Torah, alors leur colère peut devenir exécrable, désagréable et les disqualifier de toutes leurs qualités. Mais s'ils sont dans la Torah, alors ils ont une force de travailler leur midot qui est impressionnante. Et c'est pour ça que le mot Shimon finit par la lettre Nun Sophit. Elle vient de la rigueur, mais elle peut descendre vers le bas. Alors c'est où ils chutent. Quand ils ne sont pas dans la Torah, ils peuvent exagérer dans toutes sortes de comportements inappropriés à leur nom. Ou alors, ils vont en bas chercher ceux qui sont en bas par le Noun et les remonter grâce à leur fougue, leur rigueur de réparer le monde. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai était aussi aimé des gens que craint des gens. À un tel point qu'on nous raconte dans le Zohar que la Chevra Kadisha demandait à Rabbi Shimon Bar Yochai de ne pas se mettre en colère s'il posait une question qui n'était pas à sa place. Et pourtant, il était dans le monde de la Kedusha, Rabbi Shimon Bar Yochai, Kodesh Kodashim. Mais malgré tout, les Shimon renferment en eux, comme vous le savez à l'épisode, une rigueur qu'il est préférable de ne pas réveiller. Voilà, donc on va maintenant étudier ce que nous disent ici nos Rabbanim, nos Chachamim, pour définir un petit peu le nom de Shimon. Alors certainement qu'il y aura des choses qui vont se répéter, mais on est tous humains, on a tous un nez, deux yeux, une bouche, deux joues, un menton, quoi, on est tous pareils, on est tous différents les uns des autres, mais on est définis par beaucoup de choses qui nous unissent. Bezrat Hashem, on y va pour le nom de Shimon, par rapport à ses qualités et ses défauts, tels que nos sages nous l'ont prescrit. On peut dire que c'est un livre assez important, et qui n'a pas commis d'erreur pour moi, en tout cas jusqu'à maintenant. Adam Chag Mezeg, c'est quelqu'un de chaleureux en général, malé energia chiyuvit, rempli d'une énergie très positive. Les gens qui s'appellent Shimon sont des gens en général positifs. Ils ont une force extraordinaire d'endurance qui est rarissime chez les autres. Les gens qui s'appellent Shimon ont une endurance vraiment digne des hyènes. Pourquoi je parle des hyènes? Parce que les hyènes ont une endurance qui... ça court pas, l'animal, la hyène, ne court pas plus vite qu'une gazelle. Et pourtant, il l'attrape. Comment se fait-il? Eh bien, c'est qu'il continue à courir derrière à moins grande vitesse. Seulement, la gazelle va se fatiguer là où la hyène ne se fatiguera pas de courir. Elle peut courir une journée entière sans se fatiguer. Et les gens qui s'appellent Shimon ont cette particularité d'avoir de l'endurance dans le meilleur et malheureusement dans le pire aussi. Ça dépend de comment ils orientent leur vie. Leur endurance est très grande. Nimtsa tabit betnua betzuza bimakom le makom. Ce sont des gens qui bougent beaucoup, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de voyager, qui ont besoin, pas spécialement de voyager, betzuza, c'est-à-dire qui ont besoin d'être actifs. Ils n'aiment pas être bloqués quelque part. Kimak bechol pina, et on peut les trouver souvent partout. Ils n'ont pas de problème d'aller à droite, d'aller à gauche. En lo minoucha, il n'a pas spécialement besoin de repos ni de vacances. Pa'il venimrat, plutôt actif et courageux dans sa façon d'agir. Oev lakir velada tarbe, c'est quelqu'un qui adore apprendre. Donc, il s'est écouté, Shimon. Il adore apprendre
il adore les connaissances en général. Arben osim dans tous les domaines, betrumim sheshbaim chaim, mais ils sont intéressés essentiellement par les sujets qui donnent, qui aboutissent à la vie, c'est-à-dire au positif de la vie, qui est utile à la vie, plus exactement. Yeshbo a vagdola, il a en lui beaucoup d'amour, le cholas viva pour chacun. Gam kasher ou nechoa benivga, même quand il est des fois même vexé ou blessé, mamshir ke ilu shum davar lokara, il sait cacher ses sentiments par contrôle de sa propre personne, même quand il est vexé, par exemple, il y a une soirée, quelqu'un va lui faire une sale réflexion, il saura très vite détourner les choses. Il a bien enregistré, il a bien compris ce qu'il voulait chez lui, mais il continuera ke ilu shum davar lokara, en faisant semblant que, bon, bah, ils sont. Ce que j'appelle d'ailleurs une des plus grandes qualités chez une personne, c'est détourner avec de l'humour des situations qui auraient pu exploser chez quelqu'un. Eh bien, les Shimon savent dire, par exemple, bah, donc t'es toujours aussi marrant, toi. T'aurais dû faire comique. Et puis rigoler en serrant un verre avec lui, en disant, viens, on boit. Ils ont cette force de, s'ils sont touchés, à la limite de donner le dos, mais en tout cas pas de faire des scandales en public, particulièrement s'ils sont dans la Torah. Mais ça peut exploser dans le sens contraire s'ils ne le sont pas. Ils peuvent même chercher à se battre physiquement s'ils ne sont pas dans la Torah, s'ils ne se contrôlent pas, parce qu'ils viennent du monde de la Gevura. C'est ça ? Ouais. Ok. Lettre Mem, Shin et Nun. Ok. Ok. Ki ilushum davar lo kara veikar la tête lekulam chom vetsumet lev meruba, car il adore donner une bonne ambiance en général, de l'amour à tout le monde. Il adore les ambiances chaleureuses et familiales. Adam, chez Moshe, c'est une personne qui attire sur lui beaucoup de tsumet lev, beaucoup d'attention. Rabba, mamash, beaucoup. Mikol Asovevi Moto, Verabim Rotim Liot Bikervato. En général, les gens adorent être en compagnie des gens qui s'appellent Shimon. Ce sont des gens qui sont discrets, mais des fois extravagants. C'est bizarre, parce qu'il est discret, mais en même temps, il se la ramène. Il aime bien attirer l'attention. Oui. Pas briller dans le mauvais sens, briller dans le bon sens. Comme ils sont sociaux et qu'ils adorent les gens et ils ont besoin aussi de cet amour, ils ont besoin d'exister. Et comme ils savent donner, ils savent écouter, ils aiment bien aussi être écoutés. Et ils ont besoin de ça. Ils ont besoin du social. En tout cas, ils ne se laissent pas. Il est pudique et en même temps, il est là. Hein, c'est un peu paradoxal. Adam et Anien, ce sont des gens intéressants dans l'ensemble. Shomichubar les rois Torah, Bekdusha, Batmada, Azochel le rois Teora. Quand ils sont dans le monde de la Torah, à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Shimon Hatzadik, vous voyez, toujours il y a des noms de Tzadik, de pur, de Gadol. Ils atteignent des niveaux extrêmement élevés en Torah. Leur compréhension est très limpide grâce à leur écoute. Ce sont des gens très très bons. Shimon est un nom très positif, mais une fois de plus à canaliser. Bina et Tera, ils ont une intelligence, dès qu'ils étudient la Torah, qui dévoile en eux des potentiels qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Ken, les Hashpial Kolas Viva, et à Vatashem Agdola. Non seulement ils peuvent très bien se construire eux-mêmes à un très haut degré en Torah, mais à l'image de Rabbi Shimon Baruch Hu, qui a créé la Chevra Kadisha, peuvent tout à fait influencer et montrer combien on peut aimer Dieu, combien il faut écouter Dieu, des gens d'une belle influence pour la société. Albéné Israël, le Karvam Derech HaTorah, il peut être très très bon pour faire teshuva aux autres. Il a toujours des sourires sur lui, il parle bien. En général, ils aiment les métaphores, ils aiment raconter par le biais des histoires, des choses. Ils savent se rendre intéressants. Pamim, oho, shemitztabrim betocho kevim verigishut atzurim. Ok. Et quand, malheureusement, ils perdent un peu le contrôle de leur regesh intérieur, et que se multiplient les difficultés autour d'eux, à un, et que ça commence vraiment à leur faire mal, eh bien, pitom, subitement, ce même Shimon, agréable, souriant, peut rentrer dans des états de colère tels que ça en deviendrait dangereux pour le lieu. C'est-à-dire, ils peuvent aller très loin. Et quoi, ce mitragez, mamache. Et ce n'est pas une colère théâtrale chez lui. C'est une colère qui sort vraiment de tout ce qui est en lui, car il ne donne que ce qui est en lui, pour le meilleur comme pour le pire. Kimat lelo shlita, Hashem ishmor, il écrit ici. Jusqu'à en perdre une colère tellement colérique qu'il ne la contrôle plus, Hashem ishmor. Donc les gens qui s'appellent Shimon travaillaient essentiellement la mida de calmer sa colère.
Et c'est ce qu'a craint Yosef quand il est avec son frère Shimon. Il le met tout de suite en prison. Il le canalise. Il le met derrière des barreaux pour le faire comprendre. Ne sors pas de toi de la colère qui est en toi. L'otov. Nirslas le mérivot ou machlokot kashot. Et il peut rentrer dans des situations de conflits très difficiles. Ou atzmo ev esh vebalagan. Et quand il est dans cette situation, quand il est sans Torah, c'est un nom qui aime le feu. D'accord ? Et qui est même le balagan s'il le faut. Ça veut dire les embrouilles, il peut rentrer dans de très très grandes embrouilles. Donc on a le Rabbi Shimon Bar Yochai, le tzaddik, on peut avoir le Shimon de la mafia. Hello, Baaya. Et malheureusement, quand il n'en vient pas à contrôler sa propre personnalité, alors Shimon en général peut se mettre dans des situations de balagan et de problèmes que personne ne lui a demandé. Et on le voit avec le premier Shimon de l'histoire qui se mêle de l'histoire de Yosef, c'est lui qui va se mettre tout seul dans la galère. C'est lui qui fait justice à aller tuer les habitants de Shrem, où on voit que Yaakov va maudire la colère de Shimon et de Lévi, dans la parasha de Vayechi. Arour Apam, maudit est leur colère, parce que souvent, les gens qui s'appellent Shimon, à force de vouloir des fois tout arranger, ou trop s'investir, ou trop, se mettent dans des problèmes qu'ils auraient pu totalement éviter. Reste à ta place. C'est-à-dire que ton côté d'être sympathique, dans la chèvre, de « bon, vous avez un problème, je vais venir. » Mais qui t'a demandé de te mêler? Pourquoi? Règle tes problèmes à toi. Non. Il aime être présent. Il aime exister. Et ce côté-là, qui, quand il n'est pas maîtrisé, eh bien, le rend dans des problèmes. « Vetzarot misuga anashim shiurdim gabematzavim kashim. » Et donc, ça peut le faire descendre des fois très bas et le mettre dans des complexités financières, d'inquiétude. « Nichnasim bayot vetzarot mishunot besofo shel davar. » Et pour rien. Là, pourquoi tu te compliques la vie? C'est pour ça que les gens qui s'appellent Shimon doivent absolument se cadrer. Cadrer leur vie, se mettre des limites dans leur façon de s'investir dans la société, se mettre des limites dans la façon dont on travaille dans le travail. Il peut très bien, par exemple, avoir un travail qui est très bien, pousser les limites. Des fois, on va lui dire pourquoi il le fait. Il dit, lui-même, il ne sait pas pourquoi. Il dit, ça vient de son nom. Parce que la Gevura pousse les limites du Chesed. Ça vient de son nom. Et tout comme il est rentré dans les problèmes, les gens qui s'appellent Shimon ressortent des problèmes sans qu'eux-mêmes ils sachent comment ils ont fait pour s'en sortir. C'est dû essentiellement à la façon de tourner les choses. Comme ils n'aiment pas la guerre, et que c'est des très bons guerriers, alors ce paradoxe les mène à très vite calmer les choses. Bon, écoutez, viens, on arrête tout, c'est pas peine qu'on se fâche. Chacun chez soi, va à l'école Bessédère, ou venez, on va boire un verre. Il a souvent d'ailleurs ce côté, viens, il y a un gros balagan, bon, viens, on le résout très vite. Alors que des fois, ça ne fait que déplacer le problème. Il faut réfléchir un peu plus à cette notion-là. Tov, alav l'ilmot l'idgaber à la casse, et il le dit noir sur blanc. Quand tu t'appelles Shimon, tu dois canaliser essentiellement une mida chez toi. La colère. Ken partsuyot shonot she'enam tovim, qui des fois te mène à dire des choses et faire des choses que tu regretteras, qui ne sont pas spécialement bonnes pour toi, bichlal, l'echol, asiato, amvorechet, ou miyochedet, le briato. Car tu es quelqu'un de bien, en général tes idées sont bonnes, tu es quelqu'un d'actif, tu es quelqu'un de créateur, tu es quelqu'un de bien, tes idées sont spéciales, et tu devrais faire attention un peu plus à ta santé, car à force de te donner, tout est des fois un peu à l'extrême chez Shimon. C'est bien. Et les résultats sont durs, comme on le voit. Fini en prison. Il a fini Rabbi Shimon Bar Yochai quand il a pris son bain chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Rami, il a hurlé, il était mangé, tout est à l'extrême. Ou tsarich arbe savlanout. Il a besoin de beaucoup de patience. À cause de quoi? Car comme l'équilibre pour lui, comme tu dis, Mishkal Moznaim, c'est la balance chez lui, il a besoin d'être particulièrement patient s'il veut créer une bonne famille avec sa famille. S'il veut garder sa place au travail et bien évoluer au travail, pa'il shakul da'at bedvuna, et donc être shakul bedato, ça veut dire il doit, avant d'agir, un peu plus réfléchir et faire vraiment la différence entre chaque chose pour être certain qu'il est sur le bon chemin. Velo la'asot akol bepizizut, comme c'est quelqu'un qui n'a pas peur et qui est très téméraire, pas foncer directement, pas te jeter dans la gueule du loup aussi facilement, attends. Et par le fait de travailler sa colère et d'aller un peu plus doucement dans sa façon de diriger sa vie,
il arrive à une vie beaucoup plus paisible. Adam azakouk le amon chom vetsumet lev, car c'est quelqu'un qui a besoin de chaleur familiale, d'intention, qui a besoin d'amour v'avachazara, comme il est capable d'aimer, de donner, il a besoin de ça en retour. Mais kol ha-mishpacha, et particulièrement de qui? De sa propre famille. C'est un leader, de Shimon. Bait v'chevra, car pour lui, le ikar, c'est la maison et la société. La société dans laquelle il travaille. Ils ont besoin de réussir, ils ont besoin de croire en eux, et donc ils doivent mener les choses avec équilibre et harmonie. Pamim mikoach ha-miretz arav shebetocho, et des fois, de par ce feu qui est en lui, qu'on appelle Shimon, cette colère qui est en lui, ce potentiel extraordinaire qui est en lui, il peut devenir le meilleur ou en bas, au verbe, il dira. Il peut souvent arriver à déménager d'une maison à une autre maison. Non, viens, on va là-bas, viens, on va faire ça, viens, on va à notre travail, viens, on va. Alors que d'habitude, il faut quand même savoir que les Shimon, comme Rabbi Shimon Lecha, il lui est resté dans la grotte 13 ans. Il va s'installer dans un endroit, on ne le voit pas bouger. Parce qu'on parle de Shimon qui a réussi dans spirituellement, il n'est pas comme ça. Quand un Shimon il est spirituel, en général, il ne bouge pas trop de sa place. Quand il n'est pas spirituel, s'il n'a pas canalisé ce feu dans le monde de la Torah, car la Torah est appelée Esh Datlamo, c'est aussi un feu, eh bien, il va chercher à avoir mieux là-bas. Alors, viens, on déménage, viens, on va à droite. Comme ça, il explique ici. Over, midira, lidira, imkola mishpacha, lelo afsaka, il aime bien aller à droite, il aime bien aller à gauche. On pousse encore les limites à droite et à gauche. Vechaval, il dit ici, Vechaval, c'est dommage. Shekvar, avarta, arbe, dirot, makom. Tu passes ton temps d'aller à un endroit à un autre pensant que ça peut être mieux. Alors que le mieux, il est chez toi. C'est à toi de rendre l'endroit mieux que là où tu es. Alav, l'itpalel, l'iskot, l'ishuv, kavua, v'tov, v'bracha, v'shalva. Et comme tous les Shimon qui ont prié pour cela, il est bon pour lui, explique ici nos chachamim, que les gens qui s'appellent Shimon prient le créateur du monde pour trouver un endroit fixe pour se créer un avenir là où ils sont. Car ce n'est pas en déplaçant les problèmes qu'on résout les problèmes, mais en les déracinant là où ils sont. Yesh devarim shebaim ou akshan gadol. Il leur arrive d'être particulièrement sur certains détails extrêmement têtus. Même si les gens veulent son bien, quand il a une idée en tête et qu'il pense que pour lui elle est bonne, il n'écoutera personne, même sachant qu'ils veulent son bien. Il peut en arriver à voir clairement qu'il va des fois droit dans un mur, que ça va être très difficile pour lui, mais des fois Shimon n'écoute que lui-même. Oui. Kashim she'enon nishbar. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui arrive à se relever des situations en général, même s'il est cassé par des épreuves, même s'il sait que là, ce qu'il a défié, ce sont des situations qui sont très difficiles, il arrive à se relever. Mamshir bemisimato. Et le pire, c'est qu'il continue à aller sur son chemin. Léagia el ayahad ve la matara sheota ukava leatzmo, pour arriver à ce qu'il lui-même s'est proposé d'atteindre. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de rentrer, même si l'argent, l'équilibre financier, comme tout le monde, est très important. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il n'a pas peur de perdre sa famille, des fois, dans sa bêtise, s'il ne réfléchit pas un peu plus. C'est pour ça que tous les gens qui s'appellent Shimon doivent avoir Bezrat Hashem toujours autour d'eux, un Rav, comme tout le monde, ceci étant, mais un Rav qui donne la vie, un Rav qui leur ouvre, d'où l'expression Rabbi Shimon bar Yochai, quelqu'un qui leur montre que c'est pas la peine d'aller si loin, c'est pas la peine de prendre trop de risques, c'est pas la peine de... Suffis-toi un peu plus de ce que tu as, comme Rabbi Shimon bar Yochai qui s'est suffi d'un caroubier et d'une source d'eau qui sortait du rocher. De la même façon qu'Edaï et que les Shimon canalisent beaucoup plus leur vie. D'où l'importance pour les gens qui s'appellent Shimon de vivre une vie très harmonieuse avec leur épouse et de s'investir de la bina de leur femme, Bezrat Hashem, pour équilibrer. Car comme ils sont plutôt intelligents, très chacham, eh bien qu'Edaï et Mehod, pour les gens qui s'appellent Shimon, de tenir un peu plus compte des conseils de leurs épouses. Tenir compte, c'est-à-dire le faire automatiquement, mais boin et daber, boin. Viens, on voit ensemble, Benit Kadem. Atka Nesiono Bezrat Hashem, comme il le dit, si Bezrat Hashem, il arrive, écoutez bien, Bechol Dabar Kedai Shishpor Sicha Lael Nora Velila, et c'est Alila. Et donc, un des plus grands secrets de la réussite de Shimon, c'est ça, Id Bodedout, quand il parle à Dieu et qu'il ouvre son cœur comme un petit enfant avec son Créateur, Zoché Le Hatzlacha Rabba.
il a les portes du ciel qui s'ouvrent à partir de ce moment-là pour lui et pour son avenir. Beaucoup plus d'émouna. En fin de compte, Shimon est un très très bon nom, comme on peut le constater. L'air et d'arrêter de courir partout. Il doit prier le ciel, comme il le dit ici, conclusion, pour que l'endroit de sa maison, l'endroit de son travail, sa bête à Knesset, soit un endroit stable pour lui. Sinon, il n'a pas de problème, dès qu'il arrive au bout du rouleau, de changer d'adresse. Yaël. Yaël est un nom d'animal, donc une ségoula pour la vie. On va voir un petit peu qui était Yaël, bien entendu, une femme très courageuse, convertie au judaïsme. Yaël est très connue pour sa kedusha, son choix de derer à Kadosh Baruch Hu. Vechen alze aderer. Yaël est un très joli nom. Il est composé de Yud. Donc on reprend notre tabla. Yud, Rahamim, Stam. Donc il y a beaucoup de bonté en elle. Aïn, on tombe dans rigueur et bonté ensemble. Et Lamed, on retourne dans rigueur et bonté ensemble. Une fois de plus, un nom empreint de bonté et de rigueur mélangé, mais de bonté Stam. Ok. Il n'y a pas de bonté absolue et il n'y a pas de rigueur absolue. Donc, il y a un équilibre dans ce personnage joyeux en général. Yeshba Chochma Vigayon Bari, ce sont des gens qui ont une intelligence et une logique saine. Berova Mekomot Nimtset, Osa Peolet Beotsma Rabba, ou Menchichut Gola. En général, partout où elle est, elle travaille avec une très forte personnalité. Une personnalité Otsma Rabba, c'est-à-dire fait les choses avec beaucoup de force, ken, au benechishut gedola et avec des sens très développés. Murcheret ou bemashehotzla matzlicha. En général, ce sont des femmes qui apprennent très bien ce qu'elles veulent apprendre, qui sortent kasher pour leur travail à un très bon niveau. Elles travaillent bien en général. Elles ont le potentiel pour bien travailler dans tous les domaines professionnels qu'elles veulent ou d'être de très bonnes mamans. Et en général, elles réussissent sa vie. Les filles qui s'appellent Yaël dans le domaine professionnel réussissent très bien leur vie. Il y a juste un petit problème avec ce nom-là, c'est que comme Yaël est un nom d'un animal qui vit dans la forêt, c'est quelqu'un d'assez indépendant. Ce qui fait qu'au niveau du couple, comme les Yaël sont un peu indépendantes, qu'elles connaissent la valeur de leur gentillesse, de leur potentiel, elles ont des fois des exigences un peu trop élevées, ce qui provoque chez elles, pas des retards pour se marier, mais même quand elles sont mariées, elles attendent beaucoup. Elles ne comprennent pas que pas tout le monde est comme elles, et que dans la vie, on n'a que ce que Dieu nous a fixé. Et la reine, un peu plus d'émouna, quand on s'appelle Yaël, dans les choix de nos vies, parce que Dieu est derrière chaque événement. Tov pamim rabot yakshanit me'od. C'est une fille qui est remplie de confiance en elle, mais qui, dès qu'elle sent le danger, sait prendre ses distances. Elle est akshanit meot en général, elle est très têtue quand elle a ses idées. Ve ena mevateret bemedet al shela beakshanut gedola bli lenasot lishmoa la sovevimota. C'est pas des filles en général qui se laissent influencer, mais qui restent sur leur position. Elles sont très intellectuelles, elles aiment le côté je réfléchis, je vois pas pourquoi je t'écouterai, j'ai raison et j'irai jusqu'au bout de ma façon de penser. Ota shirotso betovata ve chaval. Et donc, le problème qu'elles ont, c'est le côté rigide. Alors, pour le nom Yaël, c'est très important de comprendre que pour elles, la rigidité, c'est une carapace. C'est une façon de croire en elles, parce que, comme vous le savez, les biches, les cerfs, donc Yaël, sont des animaux qui sont très princiers, mais qui prennent la fuite dès qu'il y a un problème. Et donc, pour être capable de croire en eux, ils commettent un peu l'erreur, je dirais d'une certaine façon, la maladresse plus exactement, d'être « tout va bien, je contrôle tout, j'ai plus besoin de personne », le côté très « je suis sûr de moi », alors qu'en réalité, des réalités, ce n'était pas vraiment, vraiment le cas à l'intérieur. Et il dit « c'est dommage ». Pourquoi ? Parce que si elle s'ouvrait un peu plus et qu'elle écoutait un peu plus les autres, qui veulent son bien, bien entendu, et elle sait qui veut son bien de qui ne veut pas son bien, elle réussirait encore plus sa vie, tout simplement. « Chez Goremet la'atma, ikuvim, kshaim ». Et les noms, il y a elles, le problème qu'elles ont, c'est que comme elles sont très têtues, qu'elles se tiennent à leurs idées, qu'elles savent exactement ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas, eh bien, des fois, c'est malheureux à dire, mais ça leur fait plus rater leur vie que réussir leur vie. À retenir. Et il le dit noir sur blanc. Igoremet l'atma, ikuvim. C'est pas du ciel que viennent les ikuvim, c'est-à-dire les retards, mais ça vient de toi. Descends un peu. Kshaim et des difficultés. Béar betroumim
et dans beaucoup de domaines, pas simplement dans le domaine du couple, des enfants, du travail. Et en ce qui concerne, il dit justement le couple et la famille, Ena mitkademet, elle n'avance pas en général très très bien dans ce domaine, et c'est elle-même qui arrête des fois les choses, alors que tout pourrait aller bien, beaucoup plus vite. Ça vient d'elle-même parce qu'elle a besoin de plus trop vérifier, trop, je suis pas sûr, est-ce que c'est bien? Alors les gens qui s'appellent Yael, les filles qui s'appellent Yael, sachez que le monde n'est pas parfait et qu'on ne peut pas avoir le parfait. Parce que si le monde était parfait, Dieu n'aurait pas besoin de nous. Il nous a laissé dans nos mains quelqu'un qu'on va rendre parfait. Une maison qu'on va rendre parfaite, une situation qu'on va être parfaite. Vezechaval, vetzricha levater, vetzricha ksat l'ilmod levater, velitkadem, et d'avancer plus simplement. Itachen shei sholetet. Dans le couple, elle peut être la sholetet, comme on dit là. Celle qui dirige. Oui, mais il y a un nom pour ça. La gouvernante. Elle peut être, elle a un fort caractère en général. Les filles à elle, qui s'appellent elles, ont du caractère. Et Tachen Sheit, qui a chaud les têtes, c'est elle qui va prendre les devants. Au Mamash, à four, où elle peut aller à l'extrême dans ce cas-là et jouer la petite biche, être à l'extrême de l'autre côté, chaud les têtes, bidé Rim, et se laisser influencer et se mettre dans la main des autres, parce qu'elle aura du mal à trouver sa place. Et c'est ce qui provoque chez elle tous ses doutes, constamment, en doute surtout. Bon, alors ok, bon, alors, que je vais en faire ma directrice. C'est pas ta directrice, c'est une collègue au travail. Pourquoi tu vas en faire ta directrice? Bon, alors, je vais être sa directrice. Pourquoi tu veux être sa directrice? Travaille au même niveau. Elle a du mal. Vous savez pourquoi? Parce que la biche, ouais, elle est ou la victime ou la reine de la forêt, comme on voit avec Bambi. C'est ou le roi de la forêt ou la victime des chasseurs, des loups, des lions, des tigres, de toutes sortes de choses. Elle n'arrive pas à trouver un équilibre de « je suis ni une victime ni un bourreau. Je suis à ma place. » Elle a du mal avec ce nom. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de Yael. En hébreu, le mot Yael veut dire monter sur, al, être au-dessus. Elle a besoin d'être au-dessus. Ce qui fait qu'elle a besoin d'épouser le prince charmant, que ce soit comme elle a besoin, elle, pour son équilibre à elle. Le travail où, allez vous reposer, je m'en occupe. Elle est très courageuse. Très vite, je prends entre les mains. Non, le rendez-vous, la laisse, je vais y aller moi. Mais pourquoi tu vas y aller toi? C'est mon boulot. Je vais y aller, c'est bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. Elle a besoin de croire en elle et elle carapace beaucoup, ce côté-là. Et des fois, c'est très mal pris de l'autre côté. Parce qu'on a envie de lui dire calme-toi, kol beseder, cool. Et le mot qu'on a envie de lui dire, c'est ma, qu'est-ce que t'as avec ta emouna? Et là, elle va te répondre kol beseder, t'inquiète pas, emouna, elle est en moi, avec Dieu, tu connais pas ma vie, rentre pas dans mes chaussures. Et c'est dommage. C'est dommage. Et il lui dit « Chaval, chaval, kizeletovata. » Tov, bon irénetaim, cher. « Umama shafouch nishletet bide acherim. Bederek klal tznoua. » Ce sont en général des filles qui sont pudiques. « Veshketa » et plutôt silencieuses. « Venamit ga'a » et ce ne sont pas des filles qui disent « Et moi, et moi, et moi. » Elles le font, mais elles ne le disent pas. Elles ne le font pas « Bega'ava ». Elles le font parce qu'elles savent qu'elles sont capables. À la Seviva, Bechevra, Bavoda, dans tous les domaines, elle n'est pas en général celle qui va dire « Moi je suis, moi je sais, sans moi vous n'êtes rien ». Ce n'est pas du tout sa cam, bien au contraire. « Bruchat tamin mikol pirsum borachat slicha ». C'est en général des femmes qui fuient de dès qu'on parle d'elles, elles n'aiment pas du tout. Elles n'aiment pas qu'on leur fasse des louanges et surtout pas en public. Ça les gêne plus qu'autre chose. C'est dans leur nature. « Yeshla yetzarim chazakim ». Mais attention, elles ont des... Comme elles sont très otsmatites, j'arrive pas à traduire le mot otsmatite. Otsma, c'est... forte personnalité, si tu veux. Elles ont des yetzarim. Elles ont beaucoup de yetzerara en elles. Et il faut qu'elles apprennent à faire la distinction entre yetzeratov et yetzerara qui est en elles. Et malheureusement, des fois, il dit comme ça pour lui, « Metzla kolazman la asod varim sheinam reuim ». Et étant donné que Yael est un nom très fort, si elle ne s'attache pas à Dieu de tout son cœur et qu'elle a beaucoup plus d'émouna, ça peut la pousser à faire des erreurs qui ne sont pas dignes de son nom à elle. Chaval. Et c'est pour ça qu'elles doivent s'efforcer. Donc si vous appelez une fille à elle, de la mettre dans un séminaire,
dans le monde de la Torah et d'aller sur le chemin de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Sinon, elle peut aller dans le journalisme, par exemple, la Shonara, ou divulguer des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Les Yetzarim qui sont en elle, les potentiels qui sont en elle, sont tellement explosifs que si elle quitte le monde de la Torah, elle peut passer d'un extrême à l'autre. Pareil. Ouais. À l'idée chibur la Torah batmada et par le biais de ce relié à l'étude de la Torah, la imuna misurut ou misurut masim tovim et par de bonnes actions qui touchent au monde de la Torah et des mitzvot zocha gam le banim tzadikim. Et le nom Yael est un nom de segula pour avoir des enfants qui sont dans la Torah de grands tzadikim. Pashut meod, mais à la condition où elle retrouve l'équilibre des choses. Tov kshebogeret mevina matov ou makedai. Et avec le temps, les Yael apprennent à reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce qu'il fallait faire et pas faire. C'est pour ça que quand elles sont jeunes, sache écouter un peu plus. Oh mais non, mais maman, je m'en vais avec mes copines, je pars à l'hôtel, je fais... Attends, écoute. Ouais, non, moi j'ai envie, maman, j'ai déjà pris mon billet de train, j'ai déjà pris l'hôtel. Alors pourquoi tu m'en parles? Non, je te tiens au courant parce que je suis correct. C'est très Yael. Je fais, après je te tiens au courant. Très bizarre. Et donc c'est sa force à elle, c'est sa imuna, de comprendre que Yael aime tenir les rênes de sa vie, mais elle oublie un détail. Si tu en tiens une reine de ta vie, Dieu tient l'autre. Et elle commet l'erreur de croire qu'elle tient les deux reines. Donc les échecs, c'est de sa faute. Ça ne marche pas, c'est de sa faute. Alors qu'en réalité, elle a une responsabilité, celle de s'attarder dans son propre mazal à des choses, parce que trop je sais ce que je veux, trop je sais ce que je veux pas, tu peux devenir rasratique vis-à-vis de la vie, alors que la vie t'aime beaucoup plus que ce que toi tu l'aimes. Donc sois un peu plus cool. C-O-O-L va très bien avec le nom Yael. Très perfectionniste, très... Chaque papier a sa place, très... Yael a dit, c'est ça. Ouais, prends un joint, Yael. Non. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens connaissent l'humour, le joint de la porte, pas le joint Chazal Shalom. Yael et Joël. C'est pas la même chose. C'est presque... Il y a beaucoup de liens. La différence avec Yoël, c'est qu'il y a le Lamed Aleph. Il y a le nom de Dieu dedans. Non, Joël. Joël, c'est pas un nom juif. Joël. C'est la traduction du mot Yoël, qui était prophète d'Israël. Mm-hmm. Fils de Shmuel Anavi. Yoël, Anavi. Tov, c'est encore un autre sujet. Itachen shesabla beyota ktana. En général, ça peut venir du fait que quand elle était jeune, peut-être qu'elle a eu dans son éducation des choses que n'ont pas vu les parents. Et dont on n'a pas parlé, parce qu'elle est très shketa. Ken, Avraham Ashberi menisyonot kashim. Qui ont peut-être été pour elle de grandes épreuves et difficiles. Mais comme elle se montre comme étant très courageuse, alors une fois de plus, ça me rappelle un peu le cerf ou les animaux de la forêt. Comment on appelle ça, Ayala? Tu sais, les petites cornes qu'elles ont comme Bambi, là, tu vois. Elles sont très courageuses. Je vais me taper, je vais me relever, mais le problème, est-ce que tu as les armes qu'il te faut? Des fois, elle peut se mesurer à un tigre, mais elle fera, ou un ours, mais tu fais pas le poids. Alors, sois un peu plus féminine. Je répète la phrase. Yael, quand elle est féminine, c'est une reine. Le problème qu'il y a, c'est que comme elle est très téméraire, elle peut des fois se comporter un peu comme un mec, quoi. Mais elle a des petites cornes. C'est-à-dire, elle va te dire, je vais me battre contre toi, mais ne me fais pas trop mal. Un peu le truc. C'est très bizarre. Choum d'abord, l'eau, Shavarota, en général, elle se relève très vite de ses blessures. Elle sait dire, bon, mais c'est pas grave, parce qu'elle regarde tout le temps devant, et c'est sa force. Les filles, Yael, contrairement à d'autres noms qui regardent beaucoup le passé comme Rivka, Yael regarde devant. Yael, Milchon Pa'il. Yael, en hébreu, c'est un des sept verbes qui signifie celle qui va de l'avant. Les filles qui s'appellent Yael regardent devant et c'est leur force. Le problème qu'il y a, c'est que quand elles se trompent dans le présent et dans le passé, elles se rendent compte de leurs erreurs très souvent tard. D'où l'importance pour elles de s'attacher à une rabbanite, à des gens Yerei Shamaïm, de leur poser les questions, de discuter, d'ouvrir la discussion et de se mettre au même niveau que les autres. Ce n'est pas qu'elles ne se mettent pas, mais c'est que chez elles, c'est ou elle qui va te donner le conseil, ou se soumettre à toi. Non, sois au même niveau. Al tiye me'al velo mitachat, tiye ba'emtza. Tov, on va bientôt finir. Vishum davar lo shavarota, shegadla, afilu ze, ena matridota. Elle ferme très vite les portes du passé, même si elle est blessée, même si elle a eu des problèmes d'amour.
Elle regarde devant, c'est ça toute sa force. Elle appuie de devant. C'est pour ça que ce sont des animaux qui courent vite dans la forêt. Même s'il y a des obstacles, ils savent. Qu'est-ce que fait la Yael? Qu'est-ce que fait la biche? Le faon, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une bûche, mais il passe au-dessus et il avance. Voilà. Mais ce qu'il a mal calculé, c'est que ça le fatigue. Donc, apprends à te reposer. Arrête de courir. Refais le pour et le contre. Réfléchis bien. C'est fou combien les choses sont précises dans ce livre. C'est impressionnant. Il prend vraiment des risques en parlant parce qu'il donne des détails qui pourraient dire pas du tout. Alors peut-être qu'il y a deux, trois Yael qui vont dire pas du tout, mais en général. Tov, ve'otam acherim sheyodaim u'mikirim ota al kol ma she'avra ve'lo nishbara ve'lo medim mimena. Et sa force à elle, c'est que même ses amis qui ont vu combien d'épreuves elle a eues dans sa vie, non seulement elle ne se brise pas de ses épreuves, mais ses amis apprennent d'elle comment surmonter les épreuves. C'est-à-dire que c'est un peu des leaders. C'est pour ça que les filles qui s'appellent Yael, dès qu'elles sont directrices en général, ou dès qu'elles dirigent quelque chose, tout de suite elles s'épanouissent comme une fleur qui s'ouvre à la rosée du matin. Parce qu'elles ont ça en elles. C'est sa vie chez elles. Elles aiment les responsabilités, elles aiment les défis de la vie. Elles aiment surmonter les choses. Elles sont fortes. Seulement, encore une fois, retrouve l'équilibre de ta vie. La famille, le mari, pas aux dépens l'un de l'autre. Et pourtant, elles y arrivent. אך לא ליפול ולעמוד מול כל המשברים ויש פעמים בחיים וכך זוכה בעזרת השם לקידוש השם ברבים לראות ניסים וישועות גדולות בעזרת השם. Et si, pour finir, il dit que si elles équilibrent leur vie au centre de tout, sans être tout le temps vouloir plus de responsabilités, plus de travail pour monter les échelons, malgré le fait qu'on a dit qu'elles détestent qu'on leur fasse des compliments en public ou qu'on leur dit « Yael, t'es la meilleure ». Non, je fais mon travail, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est en haut, elle... Laissez-moi en bas, c'est bizarre. C'est très bizarre. C'est un nom très spécial, Yael. Très beau nom, moi j'aime beaucoup. Je trouve que pour un nom de fille, c'est un nom waouh. C'est très doux, mais c'est très dur de l'intérieur. Mais c'est, ce côté dur, c'est une carapace. C'est sa façon à elle de dire « je crois en moi ». Des fois, c'est mal perçu par les autres, par manque de dialogue. Donc plus de dialogue et plus de réussite. Surtout que les filles, elles, en général, quand elles ont confiance, elles aiment parler. Achem Bezrat Hashem, Shem Nifla, Vetov, et on s'arrêtera là pour ce soir. Je rappelle que c'était un shiur, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Leilou Nishmat, Meir Chaim Ben Peretz, Mislati Bezrat Hashem, Meslati, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Lidion, acheté par son frère Ayakar, Henri Meslati, à qui on souhaite une très longue vie et beaucoup de bonheur, ainsi que Maurice Meslati, son frère, et toute la famille Bezrat Hashem. לחיים טובים ולשלום. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ועד דמה.